Que nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire premièrement. Nous croyons que notre venue ici à l'église n'a pas été un hasard. Ce n'est pas qu'on a manqué quoi faire, mais il y a quelque chose qui nous attire ici. Et nous croyons que c'est toi qui nous as attirés ici. Nous voulons maintenant lire la parole. Nous voulons aussi écouter quelque chose que tu as à nous dire ce soir, afin que cela nous ramène encore une fois de plus dans la prière. Bénis d'avance la parole que nous allons lire. Mets-moi de côté, ô Dieu bien-aimé, et accorde-moi ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez dans Psaume 62. Tokamata mokanda bazembo mokapotukumi bale ya mokapotukumi otoba na mibale. Psaume 64. C'est 65, verset 4. Tukumotoba na mitano, molongo ya mine. Bon, nous disons. Totangi. On peut commencer par le verset 4. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Heureux est celui que tu as choisi et que tu admets à ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe apambola liloba na ye. Bokoki kovanda. Ici, nous avons nous allons essayer de parler pendant beaucoup de séances de prière. Awa tokomeka kolobela na bataka mingi na tina na Mateo etali bomo ya mabondeli. Chaque mercredi, mais misato, nous allons essayer d'exploiter un peu ce sujet. C'est un sujet très 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 important. C'est un sujet que Frère Branham a prêché lui-même. Mais comme lui-même l'avait dit,
Que le message que je vous ai prêché, ete sango ngai na te ibino, après mon départ, sima ya kokende na ngai, il y aura des jeunes qui vont prendre ce message, e kozalana bilengeto bato bakozwa sango oyo, et qui vont l'étudier profondément, pe bakoyekola yango penza na mozindo mingi, et il donnera beaucoup plus d'éclat à ce message, pe bakotalisa polele mingi koleka oyo ezali na kati ya sango oyo. Amen. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Yangonde mosakoli atango alobaki. Il a dit ça dans les douleurs de l'enfantement. Alobaki yangona litea o pasi yakobota. Alors, j'aimerais ajouter ce le message, il a intitulé ça na lingena bakisa. L'approche vers Dieu. Litea yango apesi yango na kombo yokobelema epai na Nzambe. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Kasi na lingi pena bakselo komoko. L'approche vers Dieu kopusana epai na Nzambe pour la vraie communion divine. Pona boyokani to bomoko ya solo solo ya bonzambe. Vous vous souvenez que quand je parlais sur l'amour de Dieu, bozali kokanisa tant nazale koloba na tina na bolingo ya Nzambe, je m'étais arrêté sur la communion de sa souffrance. Boyengai na suka ke na tina na kosangana na boyokani ya kosangana na bapasi na ye. Et nous allons continuer toujours à voir ce message-là sur l'amour de Dieu. Mais chaque vendredi et chaque dimanche, j'aimerais l'exploiter suffisamment. Puisque j'ai remarqué que c'est réellement comme on le parlait la fois passée, que la chose qui fera défaut dans ce temps de la fin, que Jésus lui-même a dit, que la charité des plus grands nombres se refroidira. Et ça va rester seulement dans le cœur des élus de Dieu. Et quand je vais regarder les événements qui se passent, quand je vais regarder même le comportement des prédicateurs, la façon dont ils abordent les choses aujourd'hui, quelles sont les choses qui les préoccupent? Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les hommes de Dieu? À Brazzaville, pour le deuil du pasteur Lys, pour la matanga ya mobate Lys, tout s'est très très bien passé. Nyonso et Salema qui pensa malamu. On a rencontré, on s'est vu avec beaucoup des hommes de Dieu. Tokutana ki na basali mingi ya Nzambe, qui était venu rendre les derniers hommages à notre cher pasteur Lys. Oh, baya ki kopesa lokumu ya suka na mobate Lys, pasteur Lys. Mais néanmoins, comme je suis toujours observateur, j'observais. Et ça m'a réconforté encore de pouvoir vraiment approfondir cette chose-là. Vous savez que la destinée des enfants de Dieu, c'est entre les mains des Éphésiens 4. Puisque Dieu leur a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes, il a fait des actes comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Et il a dit le pourquoi. Il a dit c'est pour le perfectionnement des saints. Donc ils ont la grande responsabilité de perfectionner les saints. C'est pour vous dire que si les Éphésiens 4 ont comme une mission noble d'amener le peuple à la perfection, c'est-à-dire eux-mêmes doivent être à la hauteur. Puisque l'imperfection ne peut pas amener la perfection.
Il a fallu que la perfection puisse attirer l'imperfection. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous ne mènerez jamais une vie chrétienne plus haute que la vie de votre pasteur. C'est-à-dire, normalement, un pasteur doit avoir une vie très élevée, plus que tous les croyants de son église, pour qu'ils soient capables à les aider. Amen. Amen. Mais si vous remarquez que les hommes de Dieu peuvent mentir facilement sans se repentir. Ba koki koko sana pete, koza senga bolimbisi. Et le mensonge devient comme une vie normale comme ça. Lokuta e komi lokola bomo yo moto asengeli kobika. Juste pour avoir une certaine gloire. Kaka po azwa lokumu ton kembo moko. Et quand vous diagnostiquez la chose. Betango kota na likambo yango. Vous trouverez que ce qui manque là-bas. Okomona ete ezali kozanga kuna. C'est l'amour de Dieu dans les cœurs. Ezali ne kozanga bolingo ya Nzambe na kati ya motema. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Bato bazali suna bolingo ya Nzambe te. Ils ont l'amour de l'église. Bazana bolingo ya losambo. Ils ont l'amour de leur ministère. Bazana bolingo ya lotomo na bango. Mais ils n'ont plus l'amour de Dieu. Kasi bolingo ya Nzambe bazana yango te. Maintenant, sikoyo. Comme on était sur la communion. Lokola tozalaki na tena na boyokani to boboko. J'ai dit que l'approche vers Dieu. Na biete ko pusana epai na Nzambe. Pour une véritable communion divine. Pona boyokani ya solo solo ya bonzambe. Pourquoi je parle de véritable communion? Pourquoi véritable communion? Puisque même la communion aujourd'hui, quand l'amour fait défaut, la communion aussi fait défaut de la même manière. Dit que si l'amour n'est plus là, tu ne sauras plus couvrir la multitude de péchés de ton frère. Puisque l'amour couvre la multitude de péchés. Voilà pourquoi il y a une façon de s'approcher. Et si vous entrez en profondeur, vous remarquerez que le manque de l'amour de Dieu, en réalité, c'est le manque de Dieu dans le cœur de l'homme. Puisque Dieu, c'est comme une maladie. Donc, s'il est en toi, la fièvre de l'amour sera automatique. Moto ya bolingo ekotika la kaka wana. Donc ça va se manifester. Ekotalisama. Donc c'est obligatoire. Ekosalama penza na makasi. Donc vous allez remarquer que le manque de Dieu. Okomona kozanga Nzambe. Ou si ce n'est pas le manque de Dieu. To soke zali kozanga Nzambe te. Dieu est là. Nzambe azali wana. Mais les gens se sont éloignés de Dieu. Kasi bato bakei mosika ya Nzambe. Voilà pourquoi le but de cette pensée, c'est d'essayer de ramener les gens, de les rapprocher encore davantage de Dieu. L'approche vers Dieu, le ramener à Dieu, l'approche. Beaucoup de gens ont perdu la présence de la divinité dans leur vie. Et beaucoup de gens ne connaissent même pas qui est Dieu. Et beaucoup de gens ne connaissent pas comment s'approcher de Dieu. Or, le Dieu que vous adorez, il faut que vous le connaissiez profondément. C'est obligatoire. Tu ne peux pas adorer un Dieu que toi tu ne connais pas très bien.
faut le connaître d'abord. Et quand vous connaissez Dieu, vous allez vous approcher de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, Dieu te dira, je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Mais beaucoup de gens cherchent que Dieu les rémunère. Il cherche que Dieu les bénisse. Il cherche la bénédiction de Dieu. Mais ils ne savent pas comment s'approcher de Dieu. Mais comment tu seras béni? Voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens, que ce soit sur les places spirituelles, pour qu'il monte, qu'il atteigne le niveau spirituel le plus élevé, il n'arrive pas. Il tournoie. Même si le plan matériel, il ne progresse pas. Pourquoi? Dieu est éloigné de lui. La source de toutes les bénédictions, c'est Dieu lui-même. Et le secret de ces bénédictions, c'est l'approche. Comment s'approcher? De quelle manière s'approcher? J'aimerais entendre votre amen. D'abord, connaître Dieu. Frère Banane nous dit ceci. Il nous dit ceci. Écoutez. Yoka. L'approche. Kopusana. C'est un message qu'il a prêché. Et Sali Sango a été acquis. Le 23 janvier 55. Le 23 janvier 1955. La tradition de Shekinah. Elimbolami na Shekinah. Nous allons lire le paragraphe 7 et nous descendons. Tokotanga molongo ya sambo pe tokokitanasi. Maintenant remarquez. Sika botala. Maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de cette parole. Sika wankolo abaksama pamboli na kotanga maya lilobana ye. Suivez. Bolanda. Le psalmiste ici dit. Oui, bah esp. Moto akomaki mokanda banzembo awalobi. Heureux celui que Dieu a choisi. Esengo na moto zambe aponi. Amen. Amen. Remarquez ici que David. Tala awa Dawidi. Il commence l'histoire de l'approche. Abandi mambi akopusa ne pay na zambe. Mais il retourne dans les choix de Dieu. Kasi azongi na kopona ya nzambe. Donc c'est pour vous dire que ezali pona koyebisa o. La chose la plus capitale. Eloko eleki motuya. Qu'un homme doit connaître dans sa vie. Oyo moto asengeli koyeba na bomoi na ye. Connaître sa position. Koyeba lolenge na ye. Par rapport à son choix. Na kolanda kape kopona manaye. C'est-à-dire. Eli koloba. Est-ce que c'est lui qui a choisi Dieu? Boyende aponaki nzambe. Ou c'est Dieu qui l'a choisi? Tope nzambe nde aponaki ye. C'est très important. Ezali penza na motuya. Il y a des gens. Ezana bato. Je vais vous dire une chose. Na koloba na bino loko moko. Je vais me dire dans le message. Le seul lieu d'adoration. Mosa kole atango alobi na litea o esika moko esengeli pona kosambela. Je crois que 64 dit ceci. Makati ya tuku motoba na mina alobi boye. Il dit ceci. Alobi boye. Quand les prêtres. Tango basango. Ils vont au séminaire. Bazali kokende pona koyekola. Pour prendre une grande partie de leur vie. Pona kokamata eteni monene ya bomoi na ye. Étudier Dieu. Pekoyekola nzambe. Et dépenser beaucoup
beaucoup d'argent, faire même des vœux pour servir Dieu. Le prophète dit, ce n'est pas pour aller en affaires qu'ils vont là-bas. Ce n'est pas pour se perdre qu'ils vont là-bas. C'est sincèrement du feu fond de leur cœur, avec un grand désir de plaire à Dieu, ils peuvent passer beaucoup d'années sur le banc de l'école. Être un prêtre, ce n'est pas une chose facile. Ce sont des gens hyper cultivés. Cultivés, c'est-à-dire bien, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié. Un prêtre, Sango. Le niveau d'un prêtre, Mosanda ya Sango. Parfois, ça dépasse même un licencié. Et le qui attend, moto a joué licence. Ce n'est pas n'importe quel niveau. Ce sont des grands intellectuels. Et puis, pour être un prêtre, on ne ramasse pas les gens dans la rue. Il sélectionne les élites. Ce sont déjà très intelligents. Et ils passent beaucoup des années sur les bancs de l'école. Petit séminaire, grand séminaire, beaucoup des études. Tout ça, ce n'est pas, quelqu'un ne peut pas se sacrifier comme ça, sachant qu'il ira en affaires. Non, loin de là. Tu peux pas aller le convaincre que non, comme toi tu es là, tu es Satan. Il ne te croira jamais. Mais c'est pour vous dire que c'est animé d'une bonne pensée. Et il y a des bonnes idées. Croyant aimer Dieu, ils sont allés là-bas et ils se sont sacrifiés pendant beaucoup de temps pour sortir un prêtre enfin. Mais frère Malam dit que, mais malheureusement, ils ont de très bonnes intentions, mais le système qu'ils ont choisi, c'est un mauvais système. Donc, il faut connaître, est-ce que c'est toi qui es allé choisir Dieu, ou c'est Dieu qui t'a choisi? Le prêtre a choisi, mais nous n'avons pas choisi. Remarquez que nous sommes ici, si vous entrez en profondeur, c'est comme indépendamment de notre volonté. C'est-à-dire, si vous regardez les messages, les choses que le message vous demande, c'est comme si on t'a contraint. On t'a contraint. On t'a kidnappé. On te prend de force. Voilà pourquoi Jésus a dit à Paul, il te sera difficile de régime contre les aiguillons. Donc, Dieu nous a pris de force. La Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais c'est Dieu qui a fait miséricorde. Et ça me fait du bien. Si c'était moi qui avais choisir le Seigneur, peut-être je serais déjà dans le monde. Mais comme c'est lui qui m'a choisi, il m'amènera jusqu'au bout. Voilà pourquoi ici on nous dit, heureux l'homme
dont l'Éternel a choisi le fondement fondamental de ma foi, c'est le choix de Dieu pour moi. C'est Dieu qui m'a choisi. Et Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. J'aimerais entendre votre amen. Amen. C'est Dieu qui nous a choisis. Et ça me fait du bien. Quand Dieu me choisit, vous savez le bonheur du choix, c'est quoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi cet homme est heureux? Pourquoi il est heureux? Écoutez. Yoka. Celui-ci, c'est David. Oyo ezali Dawidi. C'est David qui l'a c'est David. O ezali Dawidi. Ici c'est le temps. Awa ezali tango. Ici c'est l'éternité. Awa ezali seko na seko. Quand Dieu choisit David, tango zambe aponi Dawidi. Le jour que Dieu choisissait David. Mokolo onzambe aponaki Dawidi. Avant même que David ne soit né. Yambo ete Dawidi abotama. Et qu'il entre dans le programme du choix de Dieu. Akota na manaka ya kopona mayanzambe. Dieu savait. Zambe ayebaki. Que David. Ete Dawidi. Se battra avec Goliath. Akobunda na Goliath. Il le savait très bien. Zambe ayebaki yango malamu. Il n'était pas dans le flou. Boye makambo ngo asale komona ngo pena malamu. Il connaissait ça malamu. Très très bien. Ayebaki yango pensa malamu. Je verrai ça de votre amen. Amen. Non seulement il savait ça. Et salika kate ayebaki yango. Il savait aussi. Ayebaki pe lisusu. Et David tuera Uri. Et David akoboma Uri. Mais j'aimerais attendre votre amen. Il savait aussi que David arrachera, il va arracher sa femme. David la mettra à la maison. Il savait aussi que David commettra adultère avec Bathsheba. Il savait tout cela. Mais malgré cette connaissance, cela n'a pas empêché Dieu de choisir David. Et en connaissant cela, il savait que quand David tombera, ça sera dans telle période, David se repentira. David akotube la matsumu na ye. Il savait cela. Ayebaki yango. Il savait la fin de David. Ayebaki malabu suka ya Dawidi. Avant le commencement de David. Yambo ya ebandeli ya Dawidi. C'est-à-dire que tout pour David est programmé. Likoloba nyoso pona Dawidi batiaki yango na manaka. En d'autres termes, na lolenge mosu ya koloba. Non seulement pour David. Ezali kaka pona Dawidi. Mais aussi pour toi. Ezali pe pona yo. Il connaît tes imperfections. Ayebi bisika oyo zali kokokate. Il sait. Ayebi. Que pas à ses imperfections. Oui, na kozanga kokokana ye wana. À un moment donné, na tango moko, il arrivera à la perfection. Akokoma. Voilà pourquoi je m'accroche à son choix. Voilà pourquoi David a dit, il n'a pas dit malheureux. C'est lui que l'Éternel choisit. Mais il a dit quoi? Heureux. Celui que l'Éternel choisit. Moto oh Yahweh aponi. Premièrement, c'est le choix. Liboso zali kopona. Et deuxièmement, yami balé. Que l'Éternel admet. Oh yokolo andimito asepeli na ye. Ça c'est un point majeur. Wana ezali loko ya monene koleka. Un point majeur. Et loko ya monene koleka. Celui que l'Éternel choisit. Moto yonzambe yaponi. Et celui que l'Éternel admet. Oh yandimi pe asepeli na ye. C'est pour vous dire que. Ezali pona koloba. Être admis. Ko salamoto ba sepeli na ye. Être admis donné.
Être admis. Celui qu'on admet. Oyo bandimi. D'entrer dans ses parvis. Bona kokota na lopango na ye. Il n'est pas donné à tout le monde. Yango epesa meli moto nyonso te. Ce n'est pas tout le monde. Ezali tete moto nyonso. Comme ça, il est entré dans la présence. Ne akoyaka kabwende akoti na kata lopango. Et il entre directement. Akoti mbala moko. Et il rencontre Dieu. Pe akute na nzambe. Non Seigneur, je suis venu. Kolo na ye. C'est ce que le monde dénominationnel a fait croire aux gens. Yango nde mokili ya mabongisi bazali kondimisa. La face de Dieu. Elongianzambe. Le visage de Dieu. Elongianzambe. La présence de Dieu. Rosalisama yanzambe. N'est pas donné à tout le monde. Et pesameli motonio sauté. Voilà pourquoi David a dit. Cet homme-là. Motoana asali moto esengo. Que le Seigneur a choisi. Onzambe a poni. Que le Seigneur admet. Onzambe a sepeli na ye. Que le Seigneur accepte. Onzambe andimi e pesa. Donc c'est comme quelqu'un qui vient. Esali lokola moto moko aye. Il y a une audience. Esali na kosambi sama moko toli kambo moko. Une audience bazo ya baba. Bazo ya mbabato. Une autorité quelque part. Mokonzi moko asali sika moko. Et il est en train accepter les gens un à un. Asali koyamba moko na moko. Je vois ça très souvent quand je reçois. Na mona kango mbala mingi tawo nazali koyamba bato. Beaucoup de gens sont à l'extérieur. Bato mingi bazalaka na libanda. Les diacres m'amènent la liste. Boye mosungi amemeli ngai kombo ya bato. Je les ai toujours dit. Na lobaka na bango. Écrivez les gens selon l'ordre d'arrivée. Bokoma ba kombo ya bato ndenge moto na moto ayeli. Il m'amène la liste. Ba memeli ngai bakombo ya bato. Quelqu'un a un problème. Moto moko asana likambo. Il veut rencontrer le pasteur. Aye po akutana mobateli. Mais le pasteur c'est un humain. Kasi mobateli azali moto. Il va recevoir les gens. Akoyamba bato. De telle heure jusqu'à telle heure. Kobanda na ngonga songolo kino na ngonga. Il peut commencer à 9h. Akoko banda na ngonga libwa. Jusqu'à 18h. Kino na ngonga zomi na mwambe. À 18h. Na ngonga zomi na mwambe. Quelqu'un est là brillant de rencontrer le pasteur. Moto moko azali wana azopela na motema. Mais il ne peut pas être admis. Kasi akoki kondima maboete. Il ne peut pas entrer. Akoki kokota te. Puisque l'heure est passée. Puete ngonga si eleki. Mais si par exemple. Kasi soki nanda kisa. Alors que l'heure est passée. Na tango ngonga eleki. Le pasteur dit bon. Amenez le quand même qu'il vienne. Boya na ekaka ya kasi. Il entrera avec beaucoup de joie. Akokota na esengo mingi. Avec beaucoup de joie. Na esengo mingi. Puisque il va se dire. Poeta koloba. Si le pasteur ne me reçoit pas aujourd'hui. Soki mobateli ayambinga ite lelo. Il me recevra encore quand? Akoyambanga lisusu mokoloni. Mais si on lui dit entre. Kasoba lobi na ekota. Il est dans la joie. Azali na esengo. Être admis. Oza la moto ba sepeli na ye. Être accepté. Oza la moto nzamba ndimi. C'est une réalité. Ezali bosolo moko. Beaucoup de croyants ne regardez pas en profondeur. Oh bandimi mingi batalaka yango te na mozindo na yango. Ce n'est pas celui qui vient, qui entre et qui rencontre Dieu. Ezali te moto aye oya koti nda kokuta na Nzambe. Non. Il faut que le Seigneur vous accepte. Esengeli Nzambe andima yo liboso. Il faut que Dieu vous admet. Esengeli na Nzambe asepela koyamba yo. Et qu'il admet que tu entres. Andima yo kota. Oh! Zoka. Si tu entres. Soko koti. Tous tes problèmes seront réglés. Makambo na onyoso ekozwe yano. Le grand problème c'est d'être admis. Mama na likambo zalete ondi mama okota. Que tu sois admis. Oh sala moto Nzambe ndimi. Ah! Errez l'homme que l'Éternel admet. Esengo na moto Nzambe andimi. Il le choisit d'abord. Boye aponie liboso. Et il l'admet dans sa présence. Mais andimi eliso na bozali na ye. Mais c'est pour vous dire que. Ezali pona koloba. On est nombreux ici. Tozali mingi awa. Ce soir. Na poko ya lelo. Mais quand nous allons nous mettre debout. Kasi tango tokote pour prier le Seigneur. Pona kosambe na kolo. Ce n'est pas tout le monde qui sera admis. Ezali te bato nyonso nde Nzambe akondima mabondeli na bango. C'est tout un mystère. Ezali libomba mi. Vous savez un jour que Jésus est descendu. Boyebi mokolo moko Yesu akitaki. Dans la rivière Bethesda. Na liba ebale oya Bethesda.
La Bible dit qu'un ange du Seigneur descendait chaque jour. Biblia elobiete, moi je moko aya wasale kokita mikolo nyonso. Et quand il descendait, betan wasale kokita. Quand j'étais le malade, tant wasale kobwaka babeli. Tous les malades étaient guéris. Babeli nyonso wasale kobika. Et à la fin, on me dit que c'était un hôpital. Mosako la tanga lobiete zaki hôpital. Alors on amenait toutes sortes de malades. Wasale komema bato bokono ya ndenge na ndenge kuna. Ils attendaient la descente de l'ange. Wasala ki kozela kokita ya mwanje. Il a fallu que l'ange vienne pour agiter les eaux. Et sengela ki mwanje quand les eaux étaient agitées, la guérison divine enfouie dans les eaux. Quand l'ange agite les eaux, il fait apparaître la guérison divine. Et aujourd'hui, on a reçu un ange qui est venu agiter les eaux. Et dans les eaux là, il y a le salut de nos âmes. Et la guérison pour notre corps. Mais un jour il s'est passé un miracle. Jusque là c'est l'ange qui descendait. Et quand l'ange descendait, les gens recevaient la guérison. Et dans cet hôpital là, on ne parlait que de l'ange. 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 Un jour, la dispensation de l'ange a pris fin. L'ange de l'ange a pris fin. L'ange de l'ange a pris fin. L'ange de l'Odyssée a pris fin. On devait passer de l'ange de l'ange pour entrer dans l'ange du Fils lui-même. Alors ce jour-là, c'était le Fils lui-même qui était descendu physiquement et photographié. Il était là présent dans un corps physique. Et remarquez que dans cette descente-là, ce n'est pas tout le monde qui l'ont reconnu. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui ont été admis dans sa présence. Il y avait un paralytique qui était négligé pendant tous les âges de l'ange. De l'ange. Personne ne l'a poussé pour entrer dans l'eau. Mais quand le Fils de l'homme est descendu, lui n'est pas allé agiter de l'eau, puisque lui-même était la source de la guérison. Le problème, ce n'était plus l'eau, mais le problème, c'était le voir dans la nuée. Lui-même, physiquement, là il descend. Akiti. Les gens sont restés avec la guérison dans l'eau. Et ils étaient même devenus des adorateurs là-bas. Les autres adoraient l'eau. Les autres adoraient l'ange. Les autres se faisaient des anges. Mais le Fils, lui-même, présent. Personne ne le voyait. Alors à ce moment-là, ce n'était plus le problème de celui qui veut, ni celui qui court. Mais le Fils lui-même descend. Le malade me dit, il laisse tous les malades. Il passe. Azali koleka, a sauté oyo, a sauté oyo, a sauté oyo, a sauté oyo, a sauté oyo. Il va aller trouver quelqu'un là-bas. C'est lui qui l'avait déjà choisi. Oyo ye apona ki il va aller trouver quelqu'un là-bas. Il dit, prends ton lit. Lève-toi et marche. Cet homme-là, c'est vous qui croyez la seconde venue du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur vous a fait. Et restons vos yeux pour que vous voyez ce que vous voyez. Être admis. Oh, Salamoto, Nzamba sepeli na ye. Admis dans sa présence. Oh, Nzamba sepeli na ye na bosali na ye.
qu'il entre dans sa présence. Et reste cet homme-là. Amen. Amen. Est-ce que cet homme-là est ici ce soir? Motoana azali awana poko alelo. Qu'il soit béni. Apambolama. Qu'il soit heureux. Asala moto na esengo. Qu'il soit béni toute sa vie. Apambolama bomo ina yeso. Que rien ne lui résiste. Et loko moko tetele melaye. Amen. Et bonhomme, il va même louer pour dire. Mosakola tango. Pour cet homme-là. Est-ce que cet homme-là est ici? Motoana Zaliawa. Écoutez. Yoka. Il dit dans l'exposé des âges. Alobi na bilekwa mangomba. À la fin là-bas. Nasuka kuna. En aucun instant je n'ai apporté aux gens un message. Atamba la mokote tenga na memaki sango na bato. Pour le pousser à me suivre. Pona kotindi kabango balandangai. Oh que Dieu nous donne de William Branham. Tika nzambe ape sabiso basakoli lokola William Branham. Un grand homme comme William Branham. Moto monene lokola mosakoli atango. Son objectif ce n'était pas à pousser. C'est les gens Kasi, à le suivre. Kani na yesala ki ete, ame mate batoba landa ye. Il dit à me suivre. Alobi poba landa nga ye. Ou à se rattacher à mon assemblée. To poba kangama na losambo na nga ye. Méditez amen à cela. Amen. Or nous aujourd'hui c'est ça notre objectif. Zokande biso lelo yangonde komi biloko to sali koluka. Si tu n'es pas de Sabino. Soko zali ya Sabino te. Parce que Dieu trouve que bon. Il n'est pas de Sabino. Aza Sabino te. Nous devons briser ces choses-là. Le problème c'est celui qui croit le message. Elle ne peut pas se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe. Ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à cela? Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Quelle chose que les gens me suivent, qu'ils se rattachent à mon assemblée, qu'ils sont collés à mon nom. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Nazali kaka koluka litomba moko pona makambo ya Nzambe. Et pour les gens. Pepona bato. Je serai satisfait. Bo ngai na kosepela. Si je peux réaliser une seule chose. Soki na koki kosala kaka loko moko. Que je deviens grand. Et ngai na koma moto monene. Que je voyage beaucoup. Na sala kamibembo mingi. Que tout le monde me salue. Bato nyoso bakate la kanga losako. Ce n'est pas ça l'importance pour Frère Branham. Yangote loko amotu ya pona mosako ya tabu. Cette chose. Et loko oyo. Cette voix. Boye zaline komo. C'est établi. Kotiama. Une relation spirituelle. Boyoka ni moko ya malamu na nze molimo. Entre les pasteurs et les croyants. Longwa mobateli na bandimi na ye. Aujourd'hui nous les pasteurs nous sommes arrivés même à dire. Si vous me quittez, vous irez en enfer. Vous allez mourir. Pourquoi intimider les gens? Beaucoup de gens qui m'ont combattu. Ils sont déjà sur la terre. Mais si quelqu'un va à la terre, cela veut dire quoi? Même ceux qui ne sont pas combattus meurent aussi. Même frère Branham qui n'a combattu personne, il est mort. Alors où est le problème? Si quelqu'un va à la terre, où est le problème? Laissez les intimidations. Boti kakobangi sabato. Vous allez voir les frères. Frère, Deko. On ne blague pas avec moi. Nga basaka na nga ite. Quand Dieu me donne un songe. Nga ite onza ba pesa ndoto. Quand je te dis ça. Tango na lobi na. Si tu refuses, tu meurs. Soko yo kufi. Pardon. Bolimbi si. Pardon, sœur. Bolimbi si ndeko mwasi. Pardon, frère. Bolimbi si ndeko mobali. Laissez les intimidations. Boti kakobangi sabato. Vous savez, frère, madame, il dit. Vous savez que Dieu fait dans notre vie comme chrétien. Nous ne pouvons pas nous glorifier par rapport à autrui. Comme il y a un
on ne peut pas se glorifier par rapport à un autre frère. Non. Mais nous devons nous glorifier dans le Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu a fait quelque chose dans ma vie, que Dieu soit loué pour cela. Non pas que je suis grand par rapport à frère et ami. Nous devons être munis de l'humilité. Il dit cet ami est une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, par laquelle les hommes deviennent une nouvelle créature remplie de son esprit. Voilà l'intérêt de frère Branham. Suivant selon sa parole. J'adresse à vous tous une invitation. Un appel et un avertissement. Pour que vous écoutiez sa voix maintenant même. Et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Maintenant suivez, vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas fini. Et que sa venue réjouisse votre cœur. Bosilikate. Pour sa venue. Amen. Est-ce que je peux attendre la même personne? Que sa venue et que son candidaté, mais que sa venue donne les alléluia, alléluia, réjouisse votre cœur. Yango, est-ce qu'il y a un cœur qui se réjouit de sa venue? Et salina motema moko esepela kana boye inaye. Admettre. Être admis. On dit maman, on zambandimi. Dans sa présence. Nabo salinaye. Nous sommes encore là. To salinaye. Être admis dans sa présence. Oui, on dit maman, na bo salinzambé. Quelqu'un que le Seigneur admet. Moto on zambé andimi. Alors, le secret d'être admis. Oui, c'est qu'elle est à condi maman. Dans la présence de Dieu. Liboson nzambé. Se cache dans l'approche. Yango e bombami na motino ya kopusa na pene na ye. La façon de s'approcher. Lolenge ya kopusana. Il y a une approche. Ezali peza na kopusana moko. Puisque tout est centralisé sur l'approche. Wete nyoso ezali na kati ya kopusana pene na nzambe. Tu t'approches comment de Dieu? Ozali kopusana ndenge nini pa na nzambe. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit. Tala pona ngotoma yako alubaki. Nous prions mais nous ne recevons pas. Tozali kobondela kasi tozali kozwa te. Amen. Nous demandons, mais nous ne sommes pas exaucés. Alors, où est le problème? Le problème est au niveau de l'approche. Voilà pourquoi, si nous n'irons pas dans l'enlèvement, ce ne sera pas la faute de frère Branham. Dieu nous a donné tous les conseils de Dieu. Zambe apesi biso batoli na enyoso. Le problème c'est l'approche. Likambo zalinde lolingo zali kopusana. Maintenant écoutez, frère Branham. Sika yoka mosakoli atango. Il dit. Alobi. Je suis maintenant dans le paragraphe 6, c'est là où j'étais. Na zali na molongo ya motobe pa inazalaki. Erie celui que Dieu a choisi. Esengo na moto nzambe ya poni. Pour s'approcher de lui. Pona apusa ne pa inaye. C'est-à-dire pour s'approcher de Dieu, on ne s'approche pas selon son gré, mais on s'approche puisque lui vous a choisi pour que vous vous approchiez de lui.
Si l'approche est mauvaise, soki lolenge na yakopusa neza mabe, jamais vous verrez le Seigneur. Atamo kolo mokoto komona kolo. Et je vous dis d'avance, pena lobi na bino liboso, quelqu'un qui a toujours une mauvaise approche, motoyo apusa na katango nyoso na ndenge ya mabe, ne demeurera pas dans le message pour toujours. Akovanda te na sango to akoumela te na sango pona libela. À un moment donné de sa vie, na mwa tango moko ya bomo inaye, il quittera le message. Akoti kasango. Parce qu'il va dire que Koloba, je ne vois pas clair. Nazomo na pole l'été. Je ne vois pas clair. Nazomo na pesa malamu te. Je ne suis pas béni. Mais na pambola mite. Mes choses ne marchent pas. Ma kambozo tambola malamu te. Il va finir à attraper les sorciers partout. Akosuka na kokanga bando kibisika nyonso. L'approche. Kopusa na. C'est une petite chose. Ezale loko moko ya moke. Insignifiant. O pesa kotala bonde te za na tina te. Mais incontournable. Kasi okoki kobaluka yango te. Incontournable. L'approche. Kopusana. Dieu existe. Nzambe azali solo. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Amen. Dieu existe. Nzambe azali. Dieu n'est pas un mythe. Nzambe azali libanzote. Dieu n'est pas une histoire. Nzambe azali mambite. Dieu c'est une réalité. Nzambe azali solo. Mais comment s'approcher? Kasi ndenge nini kopusa ne pas inaye. Comment s'approcher de lui? Ndenge nini kopusa ne pas inaye. Comment le rencontrer? Okokuta na ndenge nini? Chaque mercredi, nous allons voir ça. Chaque mercredi, cette approche-là. Pour une véritable communion divine. Écoutez. Yoka. Pour s'approcher de lui. Puisque quand on s'approche. Enfin. Qu'il y demeure dans ses parvis. Oh, quelle merveilleuse chose. Oh, eloko nini ya malamu. Quelqu'un que Dieu admet. Moto nzambe andimi. Et dès qu'il entre, tango akoti, il ne sortira plus. Akobi malisu libanda il te. Demeurera dans ses parvis. Akovanda wana na lopango na ye. Et quelqu'un qui est dans les parvis de l'Éternel. Mais moto asali na lopango ya Yahweh. C'est un homme heureux. Asali moto ya esengo. Qu'est-ce qui lui manquera encore? Eloko nine kozanga lisusu. Il est dans les parvis de Dieu. Asali na kati ya lopango ya Nzambe. Amen. Amen. Beaucoup qui étaient dans les parvis de Mobutu. Boye, ebele o bazalaki na lopango ya Mobutu. Sont malheureux. Bazali bakomi lelo bato ya pasi lelo bakomi bato ya pasi les autres sont des mendiants ba misu bakomi kosenga singa c'était dans les parvis de Hitler ba o bazalaki na lopango ya Hitler aujourd'hui sont des malheureux lelo bazali bato ya pasi les autres sont des moribonds ba misusu bakomi penali wa si bakufa beaucoup ceux qui ont été dans les parvis des grands hommes mingi ya ba o bazalaki na lopango ya bato minene c'est resté de l'histoire etikali kaka mambi quand nous fîmes tango tozalaki. Oh, mais j'aimerais entendre votre amen. Amen. Quand j'étais. Tango nazalaki. Est-ce que vous me connaissez? Boyebingai. Et non, mais quoi, tu ne pouvais pas s'approcher moto de moi. Yo, kweko, pousa ne pa inangai. Quand j'étais à côté du maréchal. Tango nazalaki pene ya Mobutu. C'est de l'histoire. Et komi mambi lisolo. C'est de l'histoire. Et komi lisolo. Mais. Kasi. Ce qui est le bonheur. Oui, zali na bonheur. Dans le parvis de l'Éternel. Na lopango ya on kolo. On ne sort jamais. Babi makali susu te. Quand on reste. Tango tovandi wana. Tu es un homme très heureux. Ozali moto ya esengo. Il dit. Alobi. Écoutez mes frères. Yoka bande konangai. Qui demeure dans ses parvis. Oui, avant d'anna, que Dieu naïe. A choisi pour s'approcher de lui. On pour la n'est pas inaye. Comme nous pouvons point par point. Je crois que le Saint-Esprit pourrait effectivement déterrer certaines choses là. Na kanisi ete molimo mosantu akoki kobimisa biloko mosusu kuna na kati. Oh mais j'aimerais entendre votre amen. Amen. Il peut déterrer des choses. Akoki kobimisa biloko mosusu. Pour vous montrer le bonheur. Bon
quelqu'un Dieu vous admet et que Dieu vous fait entrer dans ses paradis, sachez que tu es un homme très heureux. Et je vous dis une chose, quand je suis dans les parvis de l'Éternel, ça c'est ses parvis. Oyo ezali lopango na ye. Montrez-moi un sorcier qui entrera ici. Il a ki sangai ndoki moko akokota awa. Non, dis-moi. Lebi sangai. Prenons de manière littérale. To kamatango lokola kande to sali komona boye. C'est le parvis de l'Éternel. Ezali lopango ya Yahweh. Et Dieu a dit, Célestin vient. Nzamba lobi Célestin yaka. Je viens respectueusement. Na ye na limeme nyonso. Maître. Mokonzi. Qu'est-ce que tu dis? Entre. Olobi nini kota. Merci mon maître. Matondi mokonzi nangai. Je quitte le lieu bas. Na longwe na mosando ya se. Je monte le niveau. Na mati na mosanda ya likolo. Et j'entre dans ses parvis. Pe na koti na lopango na ye. La porte se ferme. Ekuke ekangemi. Ici se ferme. Awa ya kokangama. C'est plein de lumière. Etondi na bapole. Là-bas se ferme. Kuna ya kokangama. Qui peut pénétrer ses parvis? Nani akoki kokota na lopango yango? Qui peut pénétrer ces parvis? Nani akoki kokota na lopango yango? Est-ce que ici je peux avoir peur? Oui, awa, ngai na kosala na kobanga. Je peux pas avoir peur. Na koki kosala na kobanga te. Puisque c'est lui qui demeure. Pwete moto azali kovanda. Je m'en dis que Dieu peut faire sortir beaucoup de choses là-dedans. Mosako le atanga le bien Nzambe akoki kobimisa biloko mingi na kati. Prenez un peu de psaume 90. Pour que nous chassons un peu la peur qui est une malédiction parmi les croyants aujourd'hui. Les gens perdent de tout et de rien. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Amen. Allons dans le psaume 91. Le parvis de l'Éternel. Lopango ya Yahweh. Lisons. Totanga. Aujourd'hui, on a peur de tout et de rien. Le loto komi kobanga ne loko akobanga te. Les gens qui se disent véritables croyants. Bato bazali koloba ete bazali ba Kristo ya solo. Ils ont peur de la mort. Ba komi kobanga liwa. Dike, ah. Je vais mourir. Na kokufa. Que sera ma femme et mes enfants? Ba nangai ba kotika la ndenge ni na ba na mwasi na ngai. Est-ce que c'est ton problème? Bwana likambwana etali yo. Celui qui t'a appelé. Moto a benga kiyo. Comme David. Loko la David. Il ignorait le nombre des enfants que tu en auras. Boye yazo ibata akoye bate bano yoko sala na bango. Est-ce que Dieu ignorait cela? Bo Nzambe azali koyeba yango te. Hein? Est-ce que Dieu ignore le nombre des enfants? Nzambe azali koyeba te bano yoko sala na bango. S'il t'a retiré avant. Soki abengi yo tango sana elenge. Il sait comment prendre soin de tes enfants. Ayebi pe malamu ndenge nini akobatela bana yo. Le grand problème c'est quoi? Mama na likambo ezali nini? Mettez Dieu en première position. Tia Nzambe na esika ya liboso. C'est tout. Et si le mal que nous faisons, boy, mabeo, nous mettons les enfants en première position. Na biso, na esika liboso. Et ce sera même parfois qui fera que Dieu te retire avant. Yangonde kosala tamsu Nzambe abenga yo liboso. Comme toi, tu penses que c'est toi qui vas t'occuper de tes enfants. Loko la yo zali ko kantaye te yonde ko bat abana yo. On vient d'abord ici. Yaka nanoawa. Tu vas faire quoi? Oko sala nini? On va pleurer comme on va pleurer là. Oki ko lela te to ko ko lela wana. On va pleurer tomber. Ko lela ko ko na bele. Ça ne changera rien. E ko bongo la eloko te. Voilà pourquoi mettez toujours Dieu en première position. Yaka tango nyonso Nzambe na esika ya liboso. Lisons. Totanga. Celui qui demeure. Moto azali ko vanda. Sous l'abri du Très-Haut. Na se akobate la maya o aleki likolo. Repose. Azali ko vanda. Na kimia. Saint repos. Azali ko vanda na kimia. Oh, mais je m'attendais un grand amen à ça. Amen. Cet homme-là, il est comment? Moto ana azali ndenge nini? Repos. Azali ko vanda na kimia. À l'ombre du Tout-Puissant. Na elilingi ya oyo aleki na nguya nyonso. C'est une réalité que nous ignorons. Ezali bosolo biso tozali koyeba te. Que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. Et belé na bato, basali kosongo pensa na motu ya te. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ko vanda na kimia na elilingi ya oyo aleki na nguya nyonso. Je dis à l'Éternel. Na lobi na Yahweh. Qui a dit à l'Éternel? Nani a lobi na Yahweh? David. David.
mon refuge et ma forteresse. Non seulement un refuge, mais une forteresse. La forteresse, c'est un endroit où on peut venir là, bombarder, lancer, brûler même. Toi, tu ne seras pas atteint. Yo, moto kokome la yote. Qui croit à ça? Nani azali kondima yango? Qui peut dire amen à cela? Nani akoki koloba amen pona yango? David avait compris cela. Dawidi asosolaki yango. Être dans les parvis. Kozala na kati ya lopango. L'Éternel est votre forteresse. Boye Yahweh azali esika ekimelo sika na ya kobomba ma. Amen. 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 Comme on était là-bas dans les dents du pasteur Lys. Nenge tozalaki kuna na matanga mobate Lys. Il avait prêché un serment. Na teaki lité ya moko. Il avait prêché un serment. Ateaki lité ya moko. Quand il était vivant vers la fin de sa fin. Tango azalaki na bomoi yamboete akuma na suka bomoi na ye. Il dit les chrétiens ne meurent pas. Alobi ba Kristo ba kufakate. Il dit quand les chrétiens quitte la terre. Alors, tango, mon Christ soit longué na mabele. Il change de dimension. Abongolinde mosanda, ke na mosanda mosusu. Il a dit. Pe alobi. Celui qui est chrétien. Ouais, sali mon Christ. Quand il part. Tango akei. Ceux qui sont chrétiens. Ba o basali ba Christ. On les reconnaît par leur manière de pleurer. Ba koye ba bango na lolenge na bango basali kolelela. Alors il a dit. Pe alobi. Si vous voyez quelqu'un. So momoni moto. Il commence à pleurer. Oh Nzambe. Oh Nzambe. Pourquoi comme ça? Mais parce qu'on vivrait. Na ko vivre sous sauté. Le pasteur il se dit c'est bien de pleurer pour la séparation. Mobate lili salobi etezali malamu pona kolela ntina na bokabani. Pleurer est trop. Kasi lolenge wana ya kolela eleki. C'est qu'il a fait que quand son corps est venu. Yeah, ouais, ça qui était tant on zot on a yaki. Parce qu'on a projeté ça. Pour être l'été avant la bataille qui on est en debat et quand son corps est venu. Tant on zot on a yaki. Les gens étaient là simplement émus. Vous voyez dans leur visage qu'ils sont émus. Boko basala qui on a bon on a basala ma on a bilongi. Mais je n'ai pas vu quelqu'un. Oh Seigneur. La tigre comment la moto tazoli. Mo bateli na biso. Ah tout. La zika mo ki l'aura passé diango akeyi. Donc c'est pour vous dire que vraiment. Ils allaient prendre encore Sabino. C'est que quelqu'un ne connaît même pas qu'est-ce qu'il a cru. Moto a habité et l'eau connue n'y a ni maqué. Amen. Amen. Écoutez mes frères, ma forteresse. Oui, et si Kananga yakobomba ma. Mon Dieu en qui je me confie. Zambe nangai et pas na yende ngai na tie likia. Car c'est lui qui te délivre du filet de sorcier. Zambi yende akokangola yo na monyama ya bandoki to ya bandeke. Du filet de l'oiselle. Ya bandeke. De ses pestes et de ses ravages. Na bolosi wana pe koboma mawana. Il te couvrira. Akozipa yo. Dieu te couvrira. Zambe akozipa yo. Notre Dieu c'est la mère aigle. Zambe nabiso azali mama pongo. Il a des plumes. Azali na masala. Il te couvrira. Akozipa yo. De ses plumes. Akozipa yo na mapongo. Et tu trouveras quoi? Oh, oh. Et tu trouveras un refuge. Okozwe sika ya kokimela. Sous ses ailes. Na se ya mapapu na ye. Sa fidélité. Koboto tobo lingo na ye. C'est un bouclier. Ezalimuba. Et une cuirasse. Pe poso makasi. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Okobanga te kobanga oya butu. Totele mano place wana. Tu ne craindras ni. Okobanga te nini. Alors qui nous faut la terreur la nuit. Bandoki. Mais je me pose la question. Na Nabutu to bangara banani. Bandoki. On a peur de la terre. Mais tout déjà il y a une promesse. Kase saline la kamoko. Laissez les sorciers faire leur terreur. Botika bandoki ba sala masala na bango moli. Mais notre responsabilité. Kasi mokumu pesa na biso. Pas avoir peur de la terreur de la terre. Ezalite ete tozala na kobanga te na makamu na bango molili wana. On ne peut pas avoir peur de ça. Tokobanga yangote. Pourquoi on ne peut pas avoir peur de ça? Boni tokobanga yangote. Écoutez. Yoka. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Okobanga te kobanga samawana ya butu. Ni la flèche qui vole du jour. Tomba nzio ezali kotambola na mokolo. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tobolo jo ezali kotambola na molili.
ni chikungunya qui frappe à pleine midi. Toki kungunya weza likobeta simana zanga. Écoutez, yoka. Que mille tombe à ton côté. Et te koto bakoya na ngambo na yo. Et 10,000 à ta droite. Pe koto zomi na loboko na ya mobali. Tu ne seras pas atteint. Bakoti kala kozwa yote. Bakosimba yote. C'est-à-dire. Combien de flèches on va lancer contre toi? Bambanzi boni bakobwa kela yo. Combien de flèches? Boni. Combien? Pas 10,000, 11,000 flèches. Koto zomi na moko. C'est-à-dire, vous prenez tout Shekina tabernacle. Bo kamati Shekina nyonso. Transformez ça en flèche. Bo komisi yango bambanzi. Maintenant, on tire sur toi. Sikawa, ba beti yango yo. Comme ça. Yo saliwa na ndenge na télébibou. Tout le monde comme ça. Ba tonyo so ba beti bambanzi ba tike yo. Combien de flèches? Bambanzi boni 11,000. Et la Bible dit, toi tu ne craindras pas. Bible le beti yo ko banga. Quand il faut faire ça? Tango bango ba ko benda. Et tout ça on compte. Bango so ani ko tanga. Mo ko bimale misato. Toi tu ne feras même pas. Yo ko sata. Quand ils sont en train de tirer, Tango baso beta bambanzi. Toi tu es là en train de les regarder. Yo salut à nos autres la bango. Tu chantes la vie. Dès qu'il tire, les flèches viennent. Bambanzi yé. 10,000. Koto zomi. Droite. Et qui na loko kambali. Koto. Et qui na loko kambali. Reste là. Yo tikali wana. Sans être atteint. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à cela? Tu as connu le amen pour nayango. Tu n'es pas atteint. Et tu as connu le amen pour nani? Dieu admis. Zambe andimi yo a sepeli na yo. Dieu admis dans sa présence. O sepela mi na bozali na ye. Dieu dans ses parvis. Bozali na kati ya lopango na ye. Dieu admis dans ses parvis. O sepela mi na kati ya lopango na ye. 8. Mwambe. De tes yeux seulement tu regarderas. Kaka na miso na yo kotala. Et tu verras la rétribution des méchants. Pe okomona mbano ya batomabe. Continuons avec notre lecture. Toko bali komi na biso. Alors il dit. Alobi. Je crois que le Saint-Esprit pourrait effectivement déterrer certaines choses là. Na kanisete molimo mosanto ekobimisa biloko mosusu kuna na kati. Si nous pouvions. Soki tokoki. Si nous avions le temps de le faire. Soki tosali na tango pona kosala yango. Eh bien remarquez. We malamu tala. Eri celui que tu as choisi. Esengo na moto yo poni. Pour s'approcher de toi. Ona apusa ne pai na yo. Afin qu'il. Na tina ete. Celui qui a été choisi. Boy, oh yo aponamaki. William Branham insiste. Ndeko Branham azali kobeta sete. Celui qui a été choisi. Moto aponamaki. Pour s'approcher. Pona pusana. Pour habiter. Ako kakovanda. Dans les parvis. Na lopango na yo. Dans les parvis. Na lopango na yo. Et que nous soyons rassasié dans ton temple. Pebiso totonda na kati ya tempelo na yo. Quel bonheur. Non seulement tu es admis. Non seulement tu restes dans les parvis. Mais là dedans tu seras comment? Rassasié de joie. Rassasié de bonheur. Rassasié du salut. Un salut qui coule. Rassasié en tout. Eh bien, malamu, remarquez l'approche vers Dieu. Tala kopusa ne pa ina nzambe. Il existe une façon de s'approcher de Dieu. Ezali kaka na lolenge moko. Ezali kaka ezana lolenge moko pona kopusa ne pa ina nzambe. Ezali na lolenge moko pona kopusa ne pa ina nzambe. Vous savez? Boyebi. Si vous allez rendre visite à un roi. Soki okeko tala mokonzi moko. Il y a une façon de vous approcher d'un roi. Ezali na lolenge moko ko sala yo pusa ne pa ina nzambe mokonzi. Il ne viendra pas pour aller vers des lois n'importe comment. Okoya même le gouverneur s'il est là, tu peux entrer dans sa maison comme tu le voudras. Un jour j'étais d'aller voir un frère là-bas. Il m'avait appelé quelque part là-bas. Au gouvernorat. J'arrive là-bas. On arrive à la porte. Il est bon. Alubi malamu. Pour entrer ici papa. Pona akota papa. Carte d'identité. La kisabiso carte na yo. Si toi tu viens, Sokiyoyi.
Donnez la carte. Paie sa carte na yo. Toi tu dis. Yo lobi. Namuno lala bien terre. Est-ce que toi tu me vois pas? Yo somo nangai. Toi tu me connais pas. Yo yebingai te. Vous demandez la carte. Pour nakosenga ngai carte. Cette approche là. Lo lenga ya kopusa na wana. Tu n'entreras pas. Okoko tati. Tu n'entreras pas. Okoko tati. Il y a une approche. Eza na lolenge akopusa. Il y a une façon. Eza na lolenge moko. De rencontrer l'autorité. Bona okutana na mokonzi. De rencontrer un chef. Bona kokutana na mokonzi. De rencontrer un roi. Bona kokutana na mukumu. Mais ça ce n'est que des autorités. Kaswana bazalika bakonzi ya mokili. Mais celui que nous parlons là. Kasoto zali ko lebela. C'est le roi des rois. Ezali mokonzi ya bakonzi. Il a des principes. Azali pe na miboko na ye. Il a les manières de comment entrer dans sa présence. Azali pe na lolenge na ye akosalete ndenge okoy kokota na bokonzi na ye. Il y a une façon de s'approcher. Eh bien, pour rendre cela plus simple que ça, les garçons qui aimeraient aborder une jeune fille pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Vous savez, il y a des jeunes vraiment remplis du Saint-Esprit. Mais Robalaté. Il ne va pas se marier. A Kobalate. Vraiment rempli du Saint-Esprit. A tondi sami na Sembo. Mais son problème c'est quoi? Yikamone salinini. L'approche. Lolenge akopusana. Sa façon de s'approcher. Lolenge na akopusana. Ton Saint-Esprit, on n'a pas un problème avec ça. Molimo mosantu na yo tozana bisona likamona ngote. Ton argent aussi, on n'a pas un problème Bongo avec ça. Bongo na yo pe tozana bisona likamona ngote. Ton sérieux, on n'a pas un problème e avec yongi ça. Na yo pe tozana bisona likamona ngote. Mais Branham me parle ici le problème de quoi? Kasi Branham azali kolobela likamona nini? Lolenge akopusana. Comment approcher une fille? Ndenge nini okoy kopusana pa elenge mwasi? Tu viens? Oye, pour la fréquentation. Pour oya kobanda kotala mwasi. Tu vois le pasteur? Omoni mobateli. C'est déjà bon. Makambo tamboli malamu. Le pasteur t'envoie vers la fille. Mobateli atindo epa elenge mwasi. Tu viens là-bas? Oye wana. Sœur. Ndeko. Non non non, on te salit pas maintenant. Ton pesa na mote sigote. Sinon tu peux me suivre. Sokite oye sanga imbindo. Dis-moi c'est ma shalom. Loba nanga kaka na munoko shalom. Et puis, prions. Sima, tobondela. Mets-toi bien quand on veut prier. Tango, toni tobondela. Vanda malamu, to telema malamu. Il ne faut pas trop bouger. Koningana mingite. Bon, qui va t'accepter comme ça? Na makambaboye, nana kondimayo. Est-ce que les choses de là, c'est mauvais? C'est bon, n'est-ce pas? Et on doit prier. Mais cette approche-là. Lenge akopusa na wana. Pardon. Pardon. Bolimbisi. Oh, tu vas écouter la fille va dire. Oh, quand elle est moins salubi. Parce que dis-lui, je ne sens rien. Mon bateau est fait na monter mananga na yoke lo côté. Ou bien bon. Topé malamu. On vient bon. Touye. Frère, tu es arrivé un. Ndeko komi un. Assieds-toi. Vanda. Non, appelle d'abord maman, papa, tout le monde qui vient. On va d'abord prier. Benga, papa, na maman, batonio subaya, toko bandali boso kosa. Même les voisins de la rue là-bas. Ata, kuna na balabala, benga ya ya. Est-ce que prier c'est mauvais? Kubon de laisser le commandement. Mais cette manière là. Kasi lolenge wana ya kosale la makambo. Allez, on va prier. Boye toko bonde la. 27 cantiques, il en va pas. Premier cantique. Tala banzembo azotinda. 4e cantique. Yamine, yamitano. 8e cantique. Yamwambe. Maintenant, les parents vont dire, je crois que l'église a commencé ici à la maison. Ah, le sang est bandé dans le pango. Mais ça, c'est quelle approche? Oh, le lengeni est à Kopusana. Ou bien bon, topé, on mange. Tolia. Ah, ok, mettez la nourriture. Tiens, Bilei. On prie d'abord. Tobonde Alibosso. Fermez les yeux. Tokangamisu. Anavaso. Vous voyez que c'est un zèle amer. Bokomona ezali lipambu moko ya bololo ya ngai. Donc c'est un zèle qui est amer. Ezali ngai bololo. Donc, même celui qui est là ici que non. Attends, ezali wana. Ça ce n'est pas la spiritualité. Oh, ezali makamba molimo te oyo. Il faut pas essayer. Sengeli te komeka. De faire paraître devant les gens. Kolinga komona na liboso ya bato. Spirituel. Lokola yonde botwa molimo koleka. Si tu es spirituel, soko zali moto molimo. On saura que tu es spirituel. Tokoyeba ozali moto molimo. L'approche.
la façon de s'approcher. Il dit, il y a une façon. Le garçon qui aimait aborder une jeune fille pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Vous ne pouvez simplement pas aller là et dire Hé là. Rebecca, viens ici. Yakawa, mets-toi là-bas. Vandawana, on va prier. Tokobondela, on termine la prière. Tosisi kobondela. Dieu m'a montré. Zamba tali singa. C'est toi qui es ma femme. Yondo sali mwa sina. Oboyate. Tu sais, quand militaire, tu continues à kibomango ou c'est un problème de mariage. Tu sali kamwali bala. Vous voyez que ça ne marchera jamais. Et kotambo la théomoni. Ça c'est quelle approche? Oh lolenga kopusa na ndenge nini? Il dit, Alobi, Hé là, j'aimerais faire connaissance avec toi et te serrer la main, à moins qu'elle ne soit pas une vraie dame. Sinon, elle vous remettra à votre place. Et vous remettra à votre place. C'est pas dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas dit que c'est un faux frère. Mais son problème c'est quoi? L'approche. Voilà pourquoi beaucoup de dénominations, la façon dont ils approchent de Dieu, c'est anti-scripturaire. Et vous allez me demander, mais pasteur, comment ils reçoivent? Et comment ils reçoivent la pluie? Comment ils reçoivent la pluie? Jésus n'a-t-il pas dit, l'Éternel fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes? William Branham dit, la présence d'un grand nombre de biens matériels ne signifie pas toujours que Dieu est avec toi. Il y a une approche. Une façon de s'approcher. Vous devez savoir comment s'approcher. Il dit de remettre à ta place. Très bien. Malamo. Il y a une certaine façon. Pour vous d'aborder cela, il vous faut approcher de cette dame. Comment? Avec na respect. Limemia botosi. Et qu'est-ce que c'est que le respect? Limemia to botosi ezalini. Comment me dit le respect? Mosakolatanga lobi respect. Quand je respecte quelqu'un, tango nazali kotosa moto. Il dit je dois réglementer mon comportement vis-à-vis de lui. Alobi na sengeli kobongisa malamu ezaleli na ngai liboso na ye. Pour de ne pas la choper. Pona kobeti saye libakute. C'est ça le respect. Yangonde botosi to limemia. C'est un comportement que j'affiche devant quelqu'un. Oh zali kotali sali boso na moto. Que j'aime. Oh nazali kolinga. Que je respecte. Oh nazali kotosa. Il ne peut pas la choper. Oh yo ekobeti libakute. Mais si je vais là. Hey. Sogna là. Toi. Hey, oh, yo, yaka. Ici. Yakawa. Allez, fermez les yeux. Tanga miso. On va prier. Tokobonde là. Dieu m'a montré. Déjà, j'ai la chope. Wana na betieli bakou. Je ne le respecte pas. Na tosi epete. Cherchez-moi d'abord le respect là-bas. Lukelanga litea oyo botosi. Pour que vous lisez, si vous écoutez, qu'est-ce que c'est que le respect? Boyoka botosi zali nini? Parce que les gens, beaucoup de gens pensent que le respect. Pour ébeler na batwa kanza kete botosi. Ezao kende liboso na moto ofukami. Donnez-lui la salutation comme ça. Opesie mbote ya kugumba mabui. Ça peut même être de l'hypocrisie. Et sale manasse à bilongi mi balé. Mais le respect c'est une chose. Kasi li memia to botosi ezali lokomoko. Alors, frère Branham continue. Mosa kole atango akobi. Il dit, alobi. Tu dois venir avec beaucoup de respect. Esengeli oya liboso na ena botosi nyonso. Et tout le reste.
Il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Boye. Et ça l'épine en dégâts qu'on s'en a ma camionnion son. Il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Et ça l'épine à l'olenge à Kosalaka l'icamona l'icambo. Il y a une façon d'approcher Dieu. Et ça l'épine à l'olenge moko y'a copus à l'épine en Zambie. Si nous ne connaissons pas l'approche, vers Dieu, nous ne pourrons jamais avoir audience auprès de lui. J'aimerais attendre votre amen. Amen. L'audience auprès de Dieu. Il y a une audience. Une audience pour y entrer. Pour être admis. Pour être accepté. Il y a une audience. Une façon d'entrer. Oh, ça c'est très important. J'aimerais que vous compreniez que si vous ne vous approchez pas comme il le faut, pas d'audience. Tu ne seras pas accepté. Ba kondima yo pété. Tes prières ne seront pas exaucées. Ma bondeli na yo nzamba koyanola yango te. Et tu seras malheureux. Pe okosala moto ya pasi. Au lieu d'être heureux, ne siko sala moto esengo. Tu seras comment? Okosala ndenge nini? Malheureux. Moto ya pasi. Puisque tu n'as pas su comment y entrer. Wete weba kite ndenge nini ya kokote la. Écoutez. Yoka. Le message, le respect. L'itéa oyo boto sito li même. Cela mérite quand même d'être insisté parce que ça fait partie des attitudes. Yango peze na eko senge beta mela sete po yango ezali kati na bisaleli ya bato. Des attitudes. Lolengo bato bazana yango. Des attitudes pour s'approcher. Lolenge po na kokote pa na Nzambe. Prêché le 15 octobre 61. Était le 15 octobre 1961. Dans le paragraphe 48, il dit ceci. Na molongo ya tukumine na mwambe alobi boyi. Il dit la conclusion de toutes choses. Alobi. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 13. Dans mon cas d'Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Toyo kasuka ya makambo. Crains Dieu. Ozali kobanga yawe. Banga Nzambe. Crains Dieu. Banga Nzambe. Et observe ses commandements. Peto samibeko na ye. Car là, ce que doit tout homme. Nzambi wanande esika moto nyoso akokende. Observe ce commandement, c'est là ce que doit tout ton pardon. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Salomon dans le proverbe a dit aussi que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect. Et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Ah, c'est ça le respect. Tu as peur de le déplaire. C'est ça le respect. Vous ne voudriez pas qu'il lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudriez pas le faire. Je crains ma femme. Je crains ma femme. Je crains ma mère. Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre
Nazali koboya kotia na nzela na bango libanga oyo ekobetsa bango libaku. C'est ça le respect. Yango nde botosi to limemia. Une façon de s'approcher de Dieu. Lolenge moko ya kopusa n'est pas na nzambe. Pour avoir l'audience. Esengeli oso nzela to mokando ekopesa onzela. Écoutez. Yoka. Si vous ne connaissez pas l'approche vers Dieu, soki oyebite lolenga kopusa n'est pas nzambe. Nous ne pourrons jamais avoir une audience auprès de Dieu. Toko zanzela te poto ke n'est pas na ye. Il vous faut savoir. Esengeli koyeba yango. Dans une salle d'audience, boina esika obabengi sibato. Vous ne vous approchez pas tout simplement là. Boyo kopusa na kaka ter boyewana. Alors que le juge est sur le stade. Na tango mosambi sazali n'esika na ye. Et vous dites, hé, hey, juge. Bolobi, hé, hey, juge, mosambisi. J'aimerais vous parler un peu. Nalina lo bana mwa moke. Quelqu'un vous chassera de la salle. Motomo kwa kobimisa na ndako ana bengani yo. La salle d'audience. Et si ka batu bazali ko solola to ko samba. Et vous mettra où? Pe akotia yo wapi? En prison. Na boloko. Voyez? Omoni. Pour atteinte à l'ordre public. Po na ndenge yo obeti to koti mobulu esika ya bato. Il y a une façon d'aborder le juge. Et nous devons trouver une façon de s'approcher du grand et divin juge, Dieu lui-même. Alors nous devons trouver la manière. La façon de s'approcher. Quand autrefois l'homme, par les êtres angéliques, peut-être que lorsqu'il entrait dans la présence de sa majesté le grand roi du ciel, il s'approchait peut-être d'une notre façon. Azalaki kopusa na kala. Azalaka kopusa na tambusu na lolenge mosusu. Mais depuis que le péché a coupé les relations, kasi wuta lisumu e kaboki e kataki boyokani. Eh bien, si malamu on est fils, soki osali mwana qu'on veut aborder son père. On s'approche tout simplement du père et on dit père. Je viens de rendre visite. Ou de voir pour quelque chose. C'est ça son approche. Mais maintenant pour un étranger. Il y a une autre approche. Il y a une approche vers Dieu pour beaucoup de cas différents. Et Zalina, le lingo moko akopusa na pona nzambe na makambo ya ndenge na ndenge. Si tu veux venir pour le salut, soko lingo ya pona lobiko, il y a une approche. Et Zalina ndenge akopusa na. Si tu veux venir pour la guérison, soko lingo ya pona lobiko ya nzoto, il y a une approche. Et Zalina pe na ndenge akopusa na. Si tu veux venir pour la bénédiction matérielle, soko lingo ya pona bozuya kile, il y a une approche. Et Zalina pe na ndenge akopusa na. Si tu veux venir pour quelque chose d'autre, soko lingo ya pe soki pona eloko, il y a une approche. Et Zalina pe na ndenge na ngwa akopusa na. On ne vient pas ngulu ngulu. Okoya aujourd'hui il y a les gens. Le loi est en abat. Il est venu compris pour lui pour les mariages. Aïe, pour ma bonne de la pona et natina na libala. Allez, on l'appelle devant. Venez. Bengel bosoyaka. Allez, ne passez rien. On bat la tout qui. Bon de la paikuna. Ah, comme tu es tombé. Loko lokoyi. C'est que les démons de célibat sont partis. Mili mabe ya kosa ya ekomba. Et toi ya bonzemba ekeyi. Pour le célibat. Pona monzemba. Il tombe avec le mouchoir. Bazali kokoya namba mouchoir. Pour le voyage, pour la mobembo, il tombe aussi. Azokwe appelle les sous. Pour le mariage aussi. Pour la libala les sous. Il tombe encore. Azali kokwe les sous. Finalement, c'est quoi? Sikawa ezali nini? Branham dit qu'il y a plusieurs approches. Mosakoli atango alobiete. Lolenge ya kopusa na ezali mingi. Dites un amen à cela. Il y a plusieurs approches. Lolenge ya kopusa na ezali mingi. Mais d'abord, kasi liboso. J'aimerais d'abord prendre une chose. Il y a quelque chose. Allons d'abord dans la Bible. Quand tu veux t'approcher de Dieu, je lis juste ce que nous allons prier. Prenez Hébreu. Chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Verset 1. «
Hébreux 11. Mokanda ba ebelo mokapo ya zomi na moko. Le verset 6. Molongo na yango ya motoba. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Biblia lobi na bisoni ni kuna. Vous êtes là? Écoutez. Yoka. On nous dit ceci. Ba lobi na biso boyi. Or sans la foi. Nzoka kozanga kondima. Il est impossible de lui être agréable. Et koki kosale matete nzamba sepela na yo. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Nzambe sengele te wazali kopusa ne pa na nzambe. Croit que Dieu existe. Andi maete nzamba zali solo. Il faut que celui. Et sengele te motoyo. Il faut que celui. Sengele te motoyo. S'approche de Dieu. Wazali kopusa ne pa na nzambe. Croit que Dieu existe. Andi maete nzambe azali solo. Et que le Dieu là qu'il s'approche de lui. Nzambe wana wazali kopusa ne pa na ye. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Azali mofuti ya bato nyonso bazali koluka ye. Il est impossible. Et koki kosale mate. D'être agréable à Dieu sans la foi. Ete ose pelisa nzambe na tango zangi kondima. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Et sengeli ete moto azali kopusa ne pa na nzambe. Croit que Dieu existe. Andi maete nzambe azali solo. Mais pendant les âges de l'église. Oui, nataka ya bileko ya mangomba. Les gens ont marché avec leur foi vers Dieu. Bato batambola kina kondima na bango epai na nzambe. Mais la foi que moi je veux parler ici. Kasi kondima oyo ngai na kolobela awa. Ce n'est plus votre foi. Ezali kondima oya yote. Pour que vous vous approchiez de Dieu. Boyo opusa n'est pas na nzambe. Ta foi, Dieu peut l'accepter ou la rejeter. Kondima na nzamba ko kondima pe ko bwaka yango. Mais il y a une foi. Kasi ezali na kondima moko. Que Dieu ne rejetera jamais. O nzambe akotika la ko bwaka yango te. Et dans les âges de l'église. Na bileko ya mangomba. Dans le monde de la religion. Na mokili ya basambe. Il y a trois deux sorte de foi. Il y a des gens qui marchent avec la foi en Dieu. Et il y a des gens qui marchent avec la foi de Dieu. Ici pour l'approche. Il n'est pas un problème de quelqu'un. Mais ici c'est un problème. Pour celui que Dieu lui-même choisit. Ça c'est un. Deuxièmement. Celui que Dieu lui-même admet. Ici, c'est dans une alliance inconditionnelle. Donc ici, ce n'est pas toi qui travailles. Non, c'est pas toi qui travailles. D'abord, pour que tu viennes, c'est lui qui appelle. Il dit, nul ne peut venir à moi si mon père ne l'attire. Donc ici, awa, nous allons savoir, sengeli oyeba, connaître à profondeur, conformément à ce qu'il a dit au début. On va déterrer des choses. Tokobimisa biloko. Écoutez-moi bien. Boyo kangai malamu. Qu'est-ce qui est en toi? Eloko nini zali kati na yo? Où Dieu avait placé en toi? To o nzambe atiaki kati na yo? Qui fait que quand il t'a appelé? O esali ete tango ye abenga ki yo? Tu as écouté. Oyokaki. Et tu es venu. Pe oyaki. Quelle est cette chose là? Eloko yango ezali nini? Qui reconnaît que Dieu l'a appelé? Nani ayebi ete nzambe abengaki ye. N'est-ce pas? Boete. Qui peut me dire comment Dieu l'a appelé? Nani akoki koyebisa ngai ndenge nzambe abengelaki ye. Qui un jour il allait au champ? Nani mokolo moko akendaki na elanga. Ou à l'école? Dona kelasi. Il a écouté derrière lui. Ayoki na sima na ye. Serge Pungi. Serge Pungi. Qui m'a appelé? Nani abengi ngai. Moi Dieu. Ngai nzambe. Qui a écouté ça comme ça? Nani ayoka kiboyi.
C'est qu'il y a un langage. Il est loba ezali na elobeli moko. Il y a un code. Ezali na eloko moko ebombama. Il y a un code. Ezali na eloko moko ebombama. Que Dieu avait placé en toi. O nzambe atiaki kati na yo. Et ce code là. Pe eloko yango wana. Dieu reconnaît le code. Nzambe ayebi yango. Toi aussi tu reconnais le code. Yopo yebi code yango. Et quand Dieu veut t'appeler. Pe tango nzamba lingi kobenga yo. Je vais expliciter. Qui est dans le pays de RTL? Nani azali na compagnie wana ya RTL. Le pays de Mboka ya RTL. Qui est là-bas? Nani azali na Mboka ya RTL. Moi je suis là-bas. Qui aussi qui est dans le pays de RTL? Nani azasu na Mboka ya RTL, azana sima RTL. Mon frère Philippe. Chez RTL dans le pays de RTL. Na Mboka ya RTL. Tu es connu par quel nom? Baebio na Kombonini. Ah! RTL ne connaît pas Philippe par son nom. RTL aebi Philippe te na kombo na ye. Mais il connaît d'abord Philippe par quel? Kasi aebi Philippe na nzela nini? Numéro. Na numéro na ye. Moi RTL me connaît par mon numéro. Ngai RTL aebi ngai na numéro na ngai. C'est-à-dire que si quelqu'un vient ici, il dit que basoki moto ye awa. Je suis en train de chercher un monsieur qui s'appelle Na sali koloka butamutu moko komona 09 58 51 27 44. Calmement, je vais me mettre debout. Mbala moko na kotelema. Vrai ou faux? Boete. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Na koyoko yo kamen po na yango. Amen. Amen. Si je peux dire. Soki na koyoko loba. Je cherche un monsieur. Na sali koloka butamutu. Qui s'appelle? Au combo na ye 09 98 85 90. C'est qui Neville? Qui connaît ce monsieur là? Nana ebi mbutamutu wana. Oui frère Serge. Son nom c'est qui? C'est qui? C'est 85 et 90. 90, 85. Si c'est 90, 85. C'est qui? 09. 98. Hein? 98. Et puis 90, 85, c'est qui? Vous ne connaissez pas ce monsieur-là? Mets-toi debout, va voir le monsieur en question. Mets-toi debout. Téléma. Montrez les doigts, monsieur. Regardez, qui est le monsieur en question? Ah. Donc vous voyez que. Bon, moni. Il y a un code. Et Zalina et l'obélimo que bombama. Il y a des chiffres. Et Zalina. Ba chiffre moko na katiwana. Si je peux dire qu'il y a un démon dans le monde qui s'appelle 666. Soki na koko loba ezali na molimo moko ya mabena mokilo ba bengi 666. C'est qui? Ezali nani? Ah, hein, c'est qui? Mais pourtant là, on n'a pas écrit pape. Nzoka kuna bakomi pape. Mais on a écrit, il y a un mystère. Ba komi kuna ezali na libomba mi. Si je dis que mais au jour de la voix du septième ange. Kasona lobiete na mokolo yo ya mongongo ya mwanje na sambo. Il s'agit de qui? Eliko lobanani. Vous voyez? Bomoni. C'est pour vous dire que. Ezali pona kolobana bino. Le diable n'a fait que prendre ce que Dieu a déjà fait. Satana yakendeka kokamata o nzambe si asala. Et il a amené ça ici dans ce monde naturel. Be amemi yango awa na mokilo tozali kobika boye. Mais c'est pour vous dire que. Ezali pona kolobana yo. Il y a deux catégories de gens dans le christianisme. Et Zalina lolenge mibale ya bato kati na makambo ya Christ. Il y a des gens qui marchent avec la foi en Dieu. Et Zalina bato bazali kotambola na kondima na nzambe. Ceux-là on leur a prêché. Ba o wana bate ya bango. Ndima. Ndima. Croyez frère. Ndima ndeko. Ayez la foi. Zalana kondima. Et il peut dire j'ai la foi. Mais nous ce n'est pas le cas. Nous sommes venus ici sans la foi. Toye awa
kozanga kondima. Mais Dieu a envoyé quelqu'un. Kasi nzambe atindi moto moko. Nous avions la foi. Boebiso tozalaki na kondima. Mais on avait perdu cette foi là. Kasi kondima wana tobungisa kiyango. Dieu a envoyé quelqu'un. Kasi nzambe atindi moto moko. Voici je vous enverrai lui le prophète. Kala na kotinde la bino ya mosakoli. Qui ramènera la foi. Oyo akomema pona kozongisa kondima. Eli le prophète a ramené la foi. Eli ya mosakoli amemeli biso kondima. Il a ramené la foi. Amemito azo la foi kondima. Que je maintenant. Kondima o nazana yango ce n'est pas ma foi. Ezali kondima mais c'est la foi te. Qui a été ramenée. Kasi ezali kondima oyo ezongisami. D'où ce n'est plus ma foi. Tope ezali kondima na ngai te. Mais c'est la foi de Dieu ramenée. Kasi ezali kondima ya nzambe oyo ezongisami. Oh! Dieu reconnaîtra toujours sa foi. Nzambe akoyeba katango nyoso kondima na ye. C'est-à-dire elikoloba. Quand je m'approche, tango na zali kopusa. La chose que Dieu regarde. Eloko nzambe azali kotala. Je viens avec quelle foi? Nazoya na kondima ya ndenge nini? Oh, mais j'aimerais entendre votre amen. Amen. Je m'avance avec quelle foi? Nazali kopusa na kondima ya ndenge nini? Puisqu'il faut que celui qui s'approche. Wete ngele moto azali kopusa na. S'approche avec la foi. Apusa na na kondima. Sans laquelle. Kozanga yango. Il ne peut pas entrer. Boy akokota te. Et il ne sera pas payé. Pe akofuta mate. Mais je viens avec quelle foi? Kasi na ye na kondima nini? Voilà pourquoi. Tala pona yango. Un homme de Nzambe malamu. Moto ya Nzambe malamu. Il a son approche. Azape na ndenge na ye ya kopusa. Il a sa foi. Azape na kondima na ye. Il a sa manière de s'approcher. Azape na lolenge na ye ya kopusa. Un musulman. Musulmane. Quand il s'approche. Tango azali kopusa. Il a sa foi. Azana kondima ya ye. Il a sa manière. Azape na lolenge na ye ya kopusa na. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Quelqu'un qui ne croit pas que les tonnerres sont révélés. Moto ni makate. Il a aussi une manière de s'approcher. Azali pe na lolenge na ye ya kopusa na. Et le croyant qui est dans le septième saut. Pe bandimi o bazali na elembo ya sambo. Ils ont aussi une approche. Baza pe na ndenge na bango ba ya kopusa na. Mais j'aimerais entendre votre amen. Alina yo kamen na bino. Il y a une approche. Ezali na kopusa na moko. Allons dans le livre de l'exposé. Tok ne na mokanda bileko ya mangomba. Le livre de l'exposé. Mokanda bileko ya mangomba. Na page 171, là où je termine. Na lokasa ya kama moko na tuku sambo na moko. On nous dit ceci. Balobi na biso boye. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Na misala bantoma mokapwa misato molongo ya zomi na moto. Quand on a demandé à Pierre comment s'était produit la puissante. Comment s'était produit le puissant miracle. De l'infirme à la porte appelée la belle. Tango batunaki na polo bikamwa oyo batunaki na petelo bikamwa oyo akotelemisa mokakata ni yango esalemaki ndenge nini na ekuke. Voici comment il a expliqué. Tala ndenge nini ye atalisaki yango. Vous êtes là? Bozali wana. Vous êtes là? Bozali wana. Faites vite. Voilà comment il a expliqué. Tala ndenge nini atalisaki yango. Et par la foi à son nom. Celui de Jésus. Ya Yesu. Non son nom. Kaka kombo na yete. Celui de Jésus. Oyo ya Yesu. A affermi cet homme. Ya ngonde endimisaki moto oyo. Etelemisaki ye. Qui était infirme. Oya zalaki mokakata. Et que vous voyez. Pe bozali komona. Et que vous connaissez. O boyebi. Et la foi qui est. Écoutez. Yoka et la foi pe kondima qui est pas o ezali eteni de lui Jésus ezali na ngambo na ye Yesu a donné à celui-ci et pesaki na moto oyo cette entière disposition de tous ses membres litondi nyoso pona kobongisa binama na ye nyoso ya nzoto en présence de vous tous liboso na bino nyoso vous voyez bomoni c'est cela ezali nde yango c'est le nom de Jésus ezali nde kombo ya Yesu mais trouvez quand même ça que pour que les gens disent c'est le nom de Jésus ezali nde kombo ya Yesu suivez bolanda le nom de Jésus Kombo ya Yesu
et la foi de Jésus qui ont produit les miracles. Amen. Amen. Le nom de Jésus. Kombo ya Yesu. Et la foi de qui? Pe kondima ya nani? C'est pas votre foi. Ezali kondima na yo te. Écoutez. Vous voyez? Bomoni, c'est cela. Yangonde. C'est le nom de Jésus. Ezali nde kombo ya Yesu. Et encore quoi? Pe simanini? La foi de Jésus. Pe kondima ya Yesu. Qui a produit le miracle? Ne sala ki bikamwa oyo. Pierre ne prétendait pas que c'était sa propre foi. Petelo azaleko kanza tamo kete tezala kinde kondima na ye moko te. Si là la chose change. Awa likambo ibongwani. Puisque beaucoup de gens connaissaient seulement que Jésus disait ta foi t'a sauvé. Pwete bele na watu babanaye koyeba kate Yesu alobi kondima na onde bikisiyo. Mais si Branham nous amène une autre dimension. Kasi awa mosakoli Branham amemi biso na mosanda mosusu. Il nous montre maintenant que atali si biso sikawa la foi yete kondima de la vraie guérison. Oya lobi ko ya solo solo. Qui s'est produit au jour de Pierre. Oye salemaki na mokolo ya Petelo. Ce n'était pas la foi de Pierre. Ezalaki kondima ya Petelo te. Je me rends de votre amen. Amen. Ni même pas de l'aveugle. Ezalaki pe ata kondima ya mokufi misto mokaka taniwa na te. La foi de Jésus. Kasi ezala kinde kondima ya Yesu. Et le nom de Jésus. Pe kombo ya Yesu. Qui a produit cela? Ne esala ki bikamwana. Voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas s'enorgueillir. Dala pona ango Petelo akoki komikumisa te. Et la mission de William Branham. Pe etinda ya mosakoli ya tango. C'est de nous ramener où? Ezali komema bino wapi? À la foi apostolique. Na kondima oyo ya bantoma. Ah, la foi apostolique. Joka kondima oyo ya batata. Il dit que c'était la foi de Jésus. Et le nom de Jésus. Pe kombo ya Yesu. Pas la foi en Jésus. Ezali te kondima kati na Yesu. La foi de Jésus. Kondima ya Yesu. Avec le nom de Jésus. Pe kombo ya Yesu. Voilà pourquoi nous ne changeons pas le nom de Jésus. Dala pona yango biso tokobongo la kombo ya Yesu. Ah, je vais entendre votre amen. Amen. Nous restons avec le nom de Jésus. Totikali na kombo ya Yesu. C'est ainsi que cette foi-là. Oui, ça lié te kondima wana. C'est la foi qui ne vient qu'auprès des gens qui sont humbles. Ezali kondima oya kakaka epai ya bato ya komi sokema. Ces gens-là reconnaîtront toujours que ce n'est pas moi. Bato wana bakoyeba katango nyonso ezali ngai te. Élisez William Branham. Botanga mosakoli ya tango. Quand on a prié pour les malades. Tango mosakoli tango azosambela pona bateli. Vous ceux qui écoutent les bandes. Ba oba zali ba yoka ba. Vous remarquez un caractère de l'humilité. Kokomona kati na libonde liwana ezali limoko ya komi kitisa. Il y a une ligne de prière qui passait ici avant la prière. Ezali na molongo moko akonde la bateli ko sale mawa ya moto sambela. Je ne vous connais pas. Na yebi bino te. Je ne suis pas un guérisseur. Na zali pe mobi ke. Ce n'est même pas moi. Ezali atanga ite. Je suis pour rien. Na zali na ngai moto pa. Mais j'attends quelqu'un. Kasi na zali ko sela moto. Ne comptez pas sur moi. Si vous regardez à moi, rien ne se fera. Mais j'attends quelqu'un. C'est Jésus qui vous guérit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute les bandes déjà écouté ces choses-là? Vous ne verrez pas le vantard. Non. Pourquoi? On se vante de quelque chose qui est de toi. Mais si quelque chose n'est pas de toi, il va te vanter comment? Abraham, quand Dieu l'a demandé l'enfant, Abraham n'a pas résisté pour toi. Il a dit, je l'ai reçu comme revenant des morts. Bon, ce n'est même pas moi qui a fait cela. De la vigueur de ma jeunesse, je n'avais jamais fécondé Sarah. De la jeunesse de Sarah, elle n'a jamais conçu. Quand je suis devenu vieux, Elohim est venu comme El Shaddai. Il est descendu
dans une chair humaine. Il m'a têté. Et j'ai été restauré. Et quand j'ai été restauré, j'ai eu maintenant cet enfant. Comme il me le demande, comme il ne vient pas de moi, je le remets entre les mains de celui qui m'avait donné cet enfant. Madame il dit, espérant que si lui m'avait donné cet enfant et que je le lui remets la foi, il a la capacité de me restaurer notre enfant. Et c'est là où il y a le problème pour le christianisme. C'est ça qu'il y a le problème. Si vous voyez quelqu'un se mettre debout, frère, toi tu es païen, tu es faux frère, moi je ne suis pas comme toi, il pense que c'est lui qui a fait qu'il soit un bon chrétien. Non. Si ton christianisme est venu de quelque part pour que tu sois un chrétien véritable, il ne te vantera jamais. Ah, il ne te vantera jamais. Il ne te vantera jamais. Un homme humble. Oko salamoto akomi kitisa. Qui dira? Oko loba. Je suis ce que je suis. Nazali, oh Nazali. Par la grâce de Dieu. Nangolu yanzambe. Si je mène une vie chrétienne. Soki na sobi kabomo ya Christo. C'est par la grâce de Dieu. Ezali nangolu na ye. On ne trouvera pas de moi. Kuna katu tokomona te ngai. On ne trouvera pas. Tokomona yango. Comme si ça venait de toi. Lokole ute pai na yo. Voilà pourquoi l'approche vers Dieu pour être admis, il faut venir avec la foi. Quelle foi, vous tous répondez? Sa foi. Il ne rejettera jamais sa foi. Voilà pourquoi il a dit, alléluia, je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Pourquoi il ne te mettra pas dehors? Parce que tu n'amènes pas ta foi. C'est une partie de Dieu. Dès qu'il verra ça, bien, venez. Et quand il te fait entrer, il voit déjà cette foi-là. Il se fait que tu ne sois même pas encore à la perfection. Il se fait que tu aies encore certaines choses. Mais comme sa foi est là, il t'admettra dans sa présence. Et c'est cette foi-là qui te prendra de la justification à la sanctification. La même foi de Dieu de la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Cette même foi du baptême du Saint-Esprit à l'adoption. Et tu seras un homme humble. À chaque fois que tu viendras, tu entreras. C'est la carte de visite. Et sali le casso va passer pour y accoter la moto. Dieu regarde. Nzambatali. Tango Betty. Tu dis au Dieu bien aimé. Olubin Zambé Molingami. C'est ton fils. Nazali moi naio. Je crois malachika. Nazali kondima malaki amine. Je n'aimais pas moi-même, Seigneur. Et sali ngai mokote kolo. C'est toi qui m'as attiré. Yonde obenda kingai. Regarde, entre. Atali abi kota. C'est l'approche. Et quand quelqu'un vient, tant au motu mo kwa yi. Zambe nabiso. Zambe nabiso. Oh tata. Tata. Yoboko yebi. Tu connais. Zambe. Dieu. Na yenda combat. Je viens pour combattre. Seigneur. Ma kofi bandi. Zambe nabakolo. Ma kolo bandi ko base. Zambe na base. Zambe na Isaïe. Zambe na Isaïe. Kita Seigneur. Tesa. Tu mabanguna na ngai. Tu mabango Seigneur. Brille mes ennemis. Zamba talio atalio. Ça, c'est quelle approche? Tu ne verras même pas un petit ange venir là où toi tu es. Au côté, quand la commande attend, moi j'ai mon côté, aïe, et pas yo zali.
Est-ce que je peux attendre un amen à ça? L'approche. La façon de s'approcher. Alors pourquoi nous ne prions pas comme le monde prie? Je voudrais attendre votre amen. Nous ne nous approchons pas comme le monde s'approche. Mais nous avons notre manière. Nous avons notre façon de s'approcher. Et Dieu ne nous rejettera pas. Acceptera toujours. Puisqu'on a une approche. Quelqu'un dirait un amen à cela. Mettez-vous debout, nous allons prier le Seigneur.